L'opportunité du parrainage de l'ESMA était une grande chance que je n'ai pas voulu laisser passer, parce que je crois beaucoup à l'interconnexion de mondes différents, et le DESMA a toujours fait la preuve d'une très grande ouverture sur l'entreprise. Et que de ce point de vue-là, l'échange que les étudiants peuvent avoir avec l'entreprise, mais que l'entreprise peut aussi avoir avec les étudiants, avec ce regard neuf, cette jeunesse et cette ouverture d'esprit, cette curiosité qui est quand même le propre de la jeunesse, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et ça, c'est, je pense, la raison fondamentale qui m'a poussé, voilà, à véritablement, plus qu'accepter, mais être partie prenante dans cette décision forte. La deuxième chose, c'est que je crois qu'on a des points communs finalement avec le DESMA. On pousse beaucoup chez Rocher, dans la fonction achat, ce qu'on a appelé l'accessibilité responsable, puisqu'on veut ouvrir, et offrir la beauté à l'ensemble des femmes. Je crois que le modèle universitaire du DESMA, avec son accessibilité financière, qui est plus basée finalement sur la sélection et le mérite des étudiants plutôt que sur leur richesse ou leurs moyens, ça, c'est quelque chose aussi qui fait écho à nos gènes et à notre ADN dans le groupe Rocher. Et puis enfin, je dirais, l'interconnectivité, un certain nombre de points communs, je pense que c'est fortement inspirationnel et pour vous, étudiants, et pour nous, entreprises. Je crois que la spécificité du DESMA, c'est cette capacité à avoir encapsulé en fait la recherche comme un pilier central en fait à la formation. Et c'est pas la recherche pour la recherche, c'est la recherche dans le fait que ça aide à la prise de recul des étudiants, alimentation aussi de nouvelles pratiques. Et je pense que ça, c'est une différenciation forte. Si on commence à parler d'épistémologie ou autre, c'est bien cette prise de recul par des événements et cette construction mentale qui fait qu'on décompose de manière très rationnelle et très factuelle un certain nombre d'éléments pour en trouver des findings et aussi aider la fonction achat à avancer. Et je pense que ça, c'est la vraie spécificité, à mon sens, du DESMA, au-delà de la notoriété, évidemment, de l'école. Le groupe Rocher est un groupe qui est très intégré dans tous ses métiers. Donc ça veut dire que quand on rentre en tant qu'acheteur dans le groupe Rocher, on a potentiellement une ouverture sur plein d'aspects. On peut être dans les achats directs, dans le packaging par exemple, ce qui va ouvrir des portes assez naturellement sur le développement produit. Mais on peut rentrer aussi dans le groupe Rocher comme acheteur indirect sur des aspects de communication par exemple, ou d'achat de réseaux commerciaux, donc sur les magasins, qui vont pouvoir donner accès, cette fois-ci non pas du développement produit, mais à du développement magasin sur des emplacements, quels sont les meilleurs emplacements, etc. Donc avec une ouverture qui est beaucoup plus market-marché. Voilà. On pourrait donner plein d'exemples le long de la chaîne de valeur. On pourrait parler de la même façon de la matière première et des connexions qu'il y a avec la prescription en face de la R&D. Donc j'ai envie de dire, c'est un monde qui est extraordinairement ouvert du fait de la multiplicité et de la biodiversité de tous les achats qu'on touche.